Ce soir on est venu, on va régler les comptes. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vais vous raconter ce qui s'est passé. La Côte d'Ivoire est venue ici au Gabon pour jouer ballon. On a gagné 3-0. Quelqu'un t'a frappé chez lui. Qu'est-ce qu'il peut faire chez toi? Alors on était confiant. Même excellence, tu étais confiant. Match retour, on dit à Boaké, le Gabon est venu. En plus dans l'équipe, il n'y avait même pas tout Bameyang. Donc on s'est dit, on va les tuer. Moi-même, j'ai fait un post sur Facebook. Je suis allé écrire. Maman, patience d'Abani, avec tout le respect que je te dois. Ce soir-là, à Boaké, on va briser les panthères. On était confiants. Ce qui est bizarre, quand j'ai fait ma publication, il n'y avait pas de commentaires. Parce que les Gabonais eux-mêmes n'étaient pas rassurés. Tellement on est confiant, j'ai dit au manager là, c'est pas la peine de regarder le match. Allons dormir. On a déjà gagné. Alors comme ça, je m'en vais dormir. Je me réveille. Je demande, on a marqué combien de buts? Il y a un qui me dit, tu es malade. Demande plutôt combien de buts le Gabon a marqué. Je dis, tu t'amuses. Ils sont venus nous gagner. Ce jour-là, on a dormi tous à 19h. Mais ce que je ne comprends pas, je me suis posé une question. Ah ah, la volonté. Gabon, toi-même, tu sais. Tu sais que tu ne vas pas aller en Russie. Pourquoi tu viens nous gêner? Ça là, c'est de la sorcellerie. Allez, tout dépend. Tout va le dire, tout dépend. Allez, tout dépend. Quand j'ai fait ma publication, avant de partir dormir, il y avait seulement 4 commentaires. Après le match, 950 commentaires. Tous les Gabonais là sont venus sur ma page. Il y en a même qui m'appelaient. On est venu vous gagner. On ne veut plus aller en Russie. Gagner la Côte d'Ivoire pour nous. On a gagné la Coupe du Monde. Allez, tout est pas en haut. Les Gabonais sont méchants. Voilà maintenant un problème. Dans une semaine, le Maroc arrive chez nous. S'ils nous ont gagné, on a éliminé. Si on a gagné, on sera qualifié. Tout sera à cause des Gabonais. Si vous nous aviez laissé gagner, ça fait quoi? Je vais vous poser une question. Entre les Marocains et les Ivoiriens, qui sont ceux qui sont le plus mariés entre les Gabonais? C'est la belle famille. Vous avez gâté notre alliance. C'est pas grave.
Dieu vous voit. Tout va bien, tout n'est pas haut. Et tout n'est pas haut. C'est un jour vous taquiner. Ça va? Ça va?